va tenter de nous donner les prévisions météo, j'ai bien dit. Et vous trouvez ça drôle? Et ça vous amuse, hein? Alors, donc, bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Une image heureusement satellite. Qu'il y a du soleil. On va d'abord voir l'animation satellite. Allons-y. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la dépression qui est toujours sur l'Islande. Et il y a un front, et arrêtez de rigoler, il y a un front nuageux, un front chaud qui arrive ici et qui va lécher les côtes de la Manche. Ensuite, il y a une dépression qui se situe toujours ici, sur l'Italie. Donc, encore quelques petites pluies sur la Corse. Et si on se rapproche un petit peu, eh bien, on voit qu'il y a effectivement, sur la pointe de la Corse, ici, de la Bretagne, ici, j'en suis complètement perturbé, eh bien, quelques gros nuages avec un petit peu de pluie, très localisés quand même. Du soleil, on peut dire du soleil du nord jusqu'au sud pour cet après-midi, avec encore un petit peu de nuages sur l'est, et puis du Mistral, de la Tramontane, donc un très beau soleil autour de la Méditerranée. Les températures, on les a pour cet après-midi, elles vont de 11 degrés jusqu'à 14 sur le nord, et puis sur le sud, de 13 degrés au minimum du côté de Lyon jusqu'à 19 degrés à Marseille. En ce qui concerne demain, il y aura du soleil du nord au sud avec quand même quelques nuages sur les côtes de la Manche, je dis bien pour demain, avec, bah voilà, mardi d'ailleurs. Les nuages, on les retrouve, donc c'est la dépression que j'évoquais tout à l'heure sur l'Islande avec la perturbation et son front chaud qui descend sur le sud. Les températures et ça, regardez Sophie, 15, 18 en moyenne sur le nord et demain après-midi, 19 jusqu'à 23 degrés sur les régions du sud avec un très très beau soleil, on peut dire presque partout en France, sauf sur les côtes de la Manche. J'ai fait ce que j'ai pu. Fini parce que justement... Darty, le contrat de confiance. Bon, on a une petite idée des prévisions pour la semaine, Patrice, ou pas? Ça continue comme ça, pas mal de soleil, Sophie. Le 1er avril, et c'est pas un poisson, eh bien, il fera très très chaud en France, avec quelques petits passages nuageux jusqu'à la fin de la semaine. Et moi, personnellement, je vous annonce un bon week-end la semaine prochaine avec du soleil. Ouais, pas comme certains qui s'étaient trompés le week-end dernier. Ça, c'est clair. Enfin, certains, moi, j'avais bien dit qu'il ferait beau sur le nord-ouest, ouais. Mais pas ailleurs.